Yo, bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode. Donc là, nous allons faire un braquage. Un braquage, mais où? Voilà. Donc là, c'est un braquage qu'on peut faire en mode histoire. Voilà, c'est vraiment. Donc là, j'ai fini le jeu, mais j'ai fini le jeu sur mon compte principal. Voilà, là où je fais les vidéos actuellement, je suis sur le compte, sur un autre compte de la PS4. Donc là, nous allons braquer un armurier, voilà une armurerie, donc qui est juste en face, voilà ici. Donc je vais prendre ma moto qui va être mon véhicule de fuite, voilà. Donc on n'est pas loin, voilà. Je voulais faire le trajet comme ça vous épargne le trajet puis c'est un peu plus court. Donc là, il faut directement arriver, viser. Buter l'armurier. Tac. On arrive. On ouvre la caisse. On passe. On a récupéré 117 dollars. Donc c'est pas ouf. Mais dans ce premier épisode, c'est la première fois que je. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est la première fois que je fais un braquage comme ça. Donc là, il n'y a pas encore les flics. On a de la chance. Donc vu qu'on est vers la plage, on va y aller. Voilà. On va aller vers la plage. On fera aussi un repérage chez le coiffeur qui est juste à côté. Ouf. Ouh, oh, cet enchaînement. Oh shit. Oh hey. Voilà, donc là vous pouvez voir que je viens de mettre un glitch d'invincibilité. Donc sinon les autres j'ai pas de glitch à part de courir plus vite et suivre perso, mais ça c'est en aucun cas un avantage pour le braquage. Voilà. Donc. Ok, donc maintenant R1 ou R2. Parfait, donc là j'ai baissé l'indice de recherche. Je vais aller faire un tour chez le coiffeur, voir si elle a une caisse. Parce que je suis allé chez Poon's Boy juste avant, voilà, pour faire un petit repérage, mais ils avaient pas de caisse. Donc je me suis dit, j'ai pas tenté. Là on fait juste un repérage, on montre ça. Ils ont un truc, elle a un truc, donc c'est bon. On peut rentrer. Alors là, cette fois-ci, on va tester en mode première personne avec un petit flingue. You know what? You're one nasty fuck. Allez, ouvre la caisse. Donc là, on a récupéré 111 dollars. Donc, on récupère des trucs dans ces eaux-là. Hein, voilà. Après, donc là, on braque des commerçants. Hein, on braque pas des banques. Voilà, donc c'est pas ouf, je vous l'accorde. Mais bon, pour ceux qui sont un peu dans la dèche, 111 et 117, après ça fait déjà 200 dollars. Donc je pense qu'on va prendre la mer. On va faire le tour. Non, après il n'y a rien. Il y a les tatoueurs, il me semble. Donc là, prochain truc, on va aller se faire tatouer. Non, on va pas se faire tatouer, voilà. On va histoire de. On va aller faire braquer ça. Donc on va faire à peu près. On va essayer de faire 3 braquages par épisode. En plus là j'arrive à m'en débarrasser assez vite. Donc là j'ai aussi un code de triche nager plus vite. Donc, je peux pas aller sous l'eau, c'est pas grave. Il y a un voilier ou pas au fond? Non, il n'y a pas l'air d'avoir de voilier. Donc c'est bon, je reste dans l'eau. J'équipe juste ça. J'équipe cette arme là. Là j'équipe cette arme et voilà. C'est bon, il n'y a plus les flics donc on peut partir. Tac, donc qu'est-ce qu'on a? Voilà, on va aller chez le tatoueur comme j'ai dit. Donc. Hey buddy, we're still running tomorrow, right? Voilà, on fait apparaître. Et on y va. Bon. En plus on n'est pas loin. Donc là c'est l'effet. C'est l'effet du masque. Cet écran gris là, ne vous inquiétez pas. C'est pas votre écran qui bug. Il y a aussi un mec qui vend des vélos. Voilà, c'est parfait. Essaie de faire gaffe.
vais bientôt arriver. Pareil, repérage. Parfait, il a une caisse, donc... Ouais, c'est ça le repérage. Oh, please. Voilà, donc on a plus 15 dollars de sa part, c'est bon, hein, c'est bon à savoir. Oh putain, 89 dollars, putain, je crois que ça va être plus avec le sac et tout, là. Dans l'arrière-boutique. Y'a rien du tout dans l'arrière-boutique. Y'a R. Y'a R. Donc, on va se casser, hein, écoutez. Avec une voiture, cette fois-ci. Allez vite, démarre, 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 démarre. Hop là. Voilà, franchement, les gens, c'est facile avec moi les braquages. Hein. Le repérage, easy. Motherfuck. Le braquage, easy. C'est vraiment, mais y a rien de difficile. Après, à part si vous vous sentez pas trop d'échapper aux flics. On a vu que chez le coiffeur, on n'avait pas échappé aux flics, je crois. Enfin, les flics n'étaient pas dans notre trousse. Oh, merde. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, là, j'ai renversé des personnes. Où est-ce qu'il est, le vendeur de masques Vespucci? Vespucci, je crois. Attends, j'ai perdu des personnes. Ah, c'est une. Deux, trois, je crois. Attention. Voilà. Il n'y a pas de casque, il n'y a pas de truc. D'accord. Donc on va attendre là, hein, vu que ça, il y a l'air de... Personne doit être à notre trousse. Tac. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait acheter comme masque? Les singes, ils sont pas mal, les singes. Alors il y a soit celui-là, ouais, qui pourrait être pas mal, qui va bien avec la veste. Soit celui-là, je pense que je vais prendre celui-là. Hey there, can't wait to meet up later. 125 dollars le masque. Bon, de toute façon je m'en fous, hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai 15 000. Donc c'est pas ça le problème. Et vous savez quoi, on va se faire un dernier braquage. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Là on a le coiffeur. Il y a quoi? Je sais pas si on pourrait braquer le club de striptease, à mon avis ça on pourrait faire la masse, coiffeur, j'ai déjà fait un coiffeur, boutique de vêtements, là on a quoi, on a Suburban, on va y aller, on va voir ce que ça donne. Voilà, bon la voiture est dans un mauvais état, mais bon, est-ce qu'on s'en fout de la bagnole? Oui. Donc, on s'en fiche. Rien à foutre. Allez, on va essayer d'agir vite. Donc pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont au début, je pense que l'astuce, elle est pas mal. Voilà. Donc, et surtout, quand vous êtes vers la fin du jeu, ou pas forcément, vous avez les moyens, je sais pas comment vous faites pour... Bien sûr, hein, moi je peux donner des astuces, mais vous aussi vous pouvez en avoir des astuces. N'hésitez pas à me les partager. Voilà. Et si vous savez comment au début se faire un peu d'argent, dites-moi. Hein, et comme ça je pourrais aussi faire des vidéos dessus. Voilà. Ah oui, c'est ça, il y a un voleur. Oh merde, putain, c'était pas lui. Putain, c'était pas lui. Allez, c'est pas lui. Oh non, mais il va se faire rattraper en moins de deux, lui.
Non mais j'ai cru que j'avais vu les tuyaux perso, gauche, truc, train, droite, gauche, droite, carré, RR. Allez vite, bouge. Non. C'est pas grave, donc là, on a glitch gauche plus vite. Désolé au voleur. Ah oui, il est là-bas, d'accord, il est là-bas, mais bon, pour nous ce n'est pas un problème. Donc là, j'essaye de percuter par la bagnole. J'ai plus de glitch à ma stabilité. Putain, il s'est pas fait passer. Donc là, c'est bon, on a rempli la charge. T'es là loin. Yes, it's unbelievable. Ok, donc là, si vous trouvez un objet volé, vous pouvez le garder ou le rendre pour toucher une récompense. D'accord, donc on peut toucher une récompense. Donc la récompense, c'est une là, on a gagné $500 par exemple. Mais on pourrait très bien en gagner par exemple 250. Mais bon, vu que c'est ça tombe dans la vidéo braquage, on va le garder. On va garder l'argent. Donc là les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'est-ce qui gueule? Arrête de gueuler. Allez, arrêtez de gueuler là. Voilà. Donc là on a gardé l'argent, donc les gens, si ce type de vidéo vous plaît, braquage et tout, mais je vais les tuer ceux qui gueulent. Donc voilà, si ça vous plaît, oh merde, oh damn. Voilà, bah si ça vous plaît ce type, n'hésitez pas à m'en faire part en vidéo ou dans les commentaires, enfin en vidéo, peut-être en live, mais bon, vu que j'ai pas prévu de faire des lives tout de suite, voilà. Voilà, donc les gens, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis ciao, prenez soin de vous.